Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on reçoit à nouveau Angie Vaudan. On l'avait reçue récemment sur le sujet des implants et parasitage, hein, d'après son livre que je mettrai en lien bien entendu. J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, elle nous présente un nouvel ouvrage, enfin un ouvrage récemment sorti en tout cas, Clé de vie pour une métamorphose. Et en fait, ce sont des... elle va nous en parler, Anne, bien sûr. Ce sont des questions auxquelles les lecteurs et les auditeurs de la chaîne YouTube, notamment de Angie Vaudan, que je mettrai également en lien. Donc pose comme question, et Anne, plutôt que de répondre à tous et à toutes, ce qui est impossible, elle a plutôt fait ça sous forme d'ouvrage où il y a effectivement plusieurs questions. On y parle d'abondance, d'enfants, d'implants, d'être de la nature, du karma. D'ailleurs, être de la nature, je vous invite aussi également à aller voir l'interview. C'était d'ailleurs une de nos... Notre première interview, je crois, il y a quelques années de ça, Anne, ça fait bien longtemps C'est maintenant. vrai. Comment vas-tu, Anne, aujourd'hui? Et ben moi ça va, je suis au milieu des fleurs parce que c'est bien, c'est le printemps normalement. C'est vrai. Alors merci Alexis de me faire venir. Et puis bonjour à tous et à toutes. Moi je suis contente d'être parmi vous. Et c'est vrai que ce livre-là, je l'ai sorti parce que je réponds chaque mois quand même à deux, trois questions quelquefois dans la newsletter qu'on propose aux éditions. Mais en même temps, il y a tellement de questions qui sont posées que je me suis dit, il faut vraiment que les gens aient des réponses à ça. Parce que même s'ils lisent, alors quelquefois ils lisent rapidement, ils posent des questions qui sont à l'intérieur des livres, mais quand même, je me suis dit, avec toutes ces questions-là, bon, c'est que beaucoup de gens doivent se les poser. Donc, ça devrait pouvoir apporter des réponses et éclaircir certains sujets pour soulager, quoi, en fait, dans des périodes de tension, dans des périodes où on ne sait pas où on va, où on ne sait pas comment faire. Alors, ce qui est pratique avec ce format-là, merci beaucoup Anne pour les précisions, ce qui est pratique pour ce format-là de livre, hein, qui se lit très très facilement puisque ce sont des questions et des réponses, donc vous n'êtes pas obligé de le lire de A à Z, vous allez sur le chapitre qui vous plaît. Et moi, j'en ai justement profité pour choisir les chapitres qui m'intéressent, en tout cas, j'espère qu'ils vous intéresseront aussi, chers auditeurs. C'est ce que je disais justement en off à Anne, c'est que toutes les interviews de Anne ne sont jamais les mêmes puisque les intervieweurs, finalement, vont vers le sujet qui les intéresse ou en tout cas avec lesquels ils vibrent. Et alors aussi, pour rappel, tu as une chaîne internet, bien sûr, YouTube, Angie Vaudan, méditation, voyage et conférences, donc c'est TV Soi. J'ai oublié de le préciser, d'ailleurs, c'est aux éditions Soi, hein, SOIS, on fait un coucou à Sylvie. Et donc, surtout, tu as participé récemment à une conférence, Oui, Symposium Exovision. Est-ce que tu peux peut-être voilà. nous en parler? Ah ben oui, je vais vous en parler quelques minutes parce que c'était une conférence, c'est un congrès en fait. Et quand j'ai été interviewée la première fois par les organisateurs, ils m'ont dit à la fin, c'est-à-dire Alliance Galactique, donc ils m'ont dit à la fin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que en fait la population puisse soit un peu plus au courant de ce qui se passe? Alors, j'ai dit, mais innocemment, j'ai dit, bon, on pourrait faire un congrès. J'ai jamais pensé qu'ils allaient faire un truc aussi énorme. Donc, ils ont pris des risques. Ils ont été courageux et en même temps ambitieux parce qu'ils ont pris le Zénith de Limoges. Donc, c'est une salle de 3000 personnes qui coûte très cher. Et on s'est tous regardés. Puis, en fait, ça a été très chouette parce que le public était enthousiaste. Moi, ça m'a fait plaisir de trouver des gens qui me regardent quelquefois ou souvent derrière écran, quoi, et puis qu'on puisse se voir vraiment, et de voir les Robins des Bois, les lecteurs, les lectrices, enfin bon, c'était chouette. Et en même temps, le public était vraiment très à l'écoute, enfin très tonique, et les intervenants. Ce qui est sympa, c'est que quand moi, enfin, en tant que conférencière, je fais une conférence, je suis toute seule souvent, mais quand il y a un congrès, ben, on est pendant 3 jours ensemble. Et ça, même si on n'a pas forcément les mêmes idées, on travaille sur un même thème. Et c'est chouette, quoi. Et je me dis, c'est ça qu'il faudrait pas forcément faire plus souvent. On peut le faire aussi sur Internet, on peut le faire autrement. Mais montrer que même si on est divers, même si on pense différemment, eh ben, en définitive, on est unis. Et c'est ça qu'il faudrait qu'il se passe sur Terre, quoi. C'est OK, on est tous différents, on n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas la même religion, on n'a pas les mêmes histoires, la même enfance, ni rien. Mais on s'aime tous quand même, quoi. Et c'est ça qui est chouette. Donc, du coup, voilà, à part que les médias, quand même, ont été assez terribles, mais ils nous ont rapporté plein de monde, en fait, parce que c'est très curieux.
J'ai fait des congrès sur ce sujet-là extraterrestre, donc en Espagne, en Italie, mais en France, j'avais jamais pensé que ça puisse se faire parce que je me suis dit, ça va toujours être interdit, c'est toujours très compliqué. C'est pour ça que quand on parle de la France, elle a un rôle spécial, mais en ce moment, c'est difficile. Et tous les journalistes sont, enfin, pas tous, puisqu'il y en a deux, trois qui ont été autorisés, mais sont tombés sur sur ce symposium en disant, faites attention aux dérives sectaires. On parle de dérives sectaires et je me dis, mais comment ils peuvent penser à des dérives sectaires? Je veux dire, on leur demande pas d'y croire, comme il y a une émission comme ça, là, mais en fait, juste d'écouter puis de se faire une opinion, c'est tout. Mais c'est fou, quoi. J'ai été étonnée de ça. Bah, on les changera pas, on les connaît, hein, c'est toujours les mêmes depuis, depuis le début du Ah journalisme oui. à peu près, enfin surtout le journalisme de maintenant. Ah, Et de donc, maintenant, oui, c'est voilà, on va vraiment. plutôt préciser ça. Et puis bon, Ah ce ne sont pas eux qui vont. Alors de toute façon, c'est ce qu'on dit, hein, ma chère Anne, il vaut mieux faire de la mauvaise pub que d'être ignoré mais complètement. oui, mais Voilà, oui, donc. parce que du coup, plein de gens ont écouté en disant, ah, tiens, on parle. Alors, c'est bien. C'est vrai, ça attise, en tout cas, ça attise la curiosité bah, de celles et ceux qui ne sont peut-être pas un peu au courant de ces sujets, effectivement, qui ne sont pas ouverts du tout à ça, et il en existe encore beaucoup, et voilà, c'est encore une fois, c'est ce qu'on disait en off, chacun a de toute façon son chemin à faire, et à la vitesse, comme je le répète à chaque fois sur l'émission, à la vitesse qui veut, et voilà, qui le permet en tout cas. Il y a une chose qui m'a étonnée, c'est qu'avant le congrès, donc, j'ai été interviewée par deux journalistes de Radio France, régionale, quoi. Et puis, quand je leur ai parlé de NDE, de mort clinique ou de choses comme ça, mais ils ne connaissaient absolument pas. Et moi, je croyais que tout le monde connaissait. Alors là, j'ai été étonnée parce que je me dis encore, voyage astral, on peut ne pas connaître. On peut ne pas connaître, mais les morts cliniques. Je veux dire, les médecins en parlent, on en parle en science, on en parle dans plein de. Il y a plein de personnes qui témoignent. Et bien, ils me disent, ah ben non, on ne sait pas ce que c'est. Ah, j'ai dit, bon. Alors là, j'étais un peu coincée, là. Mais voilà. Ouais, c'est vrai que c'est. Bah, écoute, de toute façon, ce monde-là, on le sait bien de la blouse blanche. Alors, je suis pas en blouse blanche, hein, je précise. Alors, ma chère Anne, on va peut-être commencer, si tu veux bien, avec quelques Bien sûr. thématiques, donc que j'avais, bah, que j'ai mis là comme ça. On va essayer de rester cohérent et j'ai essayé de, parce que comme on le sait sur la chaîne et comme on le sait de toute façon via tes bouquins, de toute façon tout est interlié, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, tout est interlié au niveau des thématiques, quelles qu'elles soient. Voilà, y a toujours des liens à faire, etc. Et pour comprendre en fait que tout ça est de manière holistique, qu'il faut le voir de manière globale et non pas être encore rentré dans des cases comme on nous le somme de le faire tout le temps. Donc voilà, je pense que voilà, il faut vraiment observer ça et se dire que ben voilà, de toute façon qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, de toute façon on est comme tu l'as très bien dit, quelle que soit la nationalité, la couleur de peau, la religion, etc., les avis, les opinions, j'ai envie même peut-être même de rajouter, on est un petit peu tous sur la même, disons le même bateau, pour ne pas dire. Et donc, quelque part, Ouais. on devrait vraiment maintenant se tenir les mains plus que jamais et dire Mais non et dire non à des guerres qu'on a absolument pas choisies. Il est vraiment temps que tout le monde se lève et se dise maintenant, stop, quoi, stop, on arrête. oui, et il y en a beaucoup qui se lèvent, heureusement, ça commence à bouger quand même, mais bon. D'ailleurs, la preuve, je pense que c'est aussi ça que tu précisais dans le symposium, c'est qu'il y avait beaucoup de bienveillance, visiblement, et je pense aussi Oui. que c'est peut-être ça aussi, toi, tu peux l'observer beaucoup mieux que moi, puisque tu as quand même fait pas mal de conférences, etc., beaucoup voyagé, et je pense qu'il y a sans doute, tu observes quand même que les choses sont en train de changer quand même, malgré tout. Oui, que les gens ont envie de s'unir entre eux, de se rencontrer, d'être en paix, d'offrir de la lumière, et ça, je l'ai senti, je me suis dit, mais c'est chouette parce que avant, c'était un peu plus mental, quoi. On se posait des questions, mais c'était plus le cerveau qui travaillait. Là, j'ai l'impression que c'est plus le cœur qui travaille. Alors, peut-être parce que c'était nos lecteurs, les gens qui nous connaissent, enfin, les conférenciers. Mais en tout cas, c'était ça, quoi. Ouais.
Alors, dans le livre, c'est ce que je dis, donc il y a plusieurs auditeurs, lecteurs de tes livres aussi, des personnes qui te suivent, qui ont posé des questions. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de questions, il y a déjà vraiment beaucoup. On pourrait presque dire, mais ça, on y reviendra en conclusion, que c'est finalement, ça reprend un peu tout ce que tu as offert en thème dans tous tes livres précédents. On y reviendra à la fin, on en reparlera bien sûr. Et donc, moi, alors, il y a des thématiques qui me plaisent, on le sait très bien. Alors, je vous invite forcément, chers auditeurs, à aller voir l'interview qu'on a fait avec les implants et les parasitages, hein, donc tiré du même livre que tu as fait. Et donc ici, pour petit rappel, les portails organiques, on en a parlé justement dans cette interview et brièvement, mais ici il y a quelque chose que je voulais vraiment un petit peu remettre un peu à jour, si on peut dire ça comme ça, pour les personnes qui ne seraient pas au courant. Donc, portail organique, c'est des personnes qui, dit-on, n'auraient pas d'âme, etc. Alors, effectivement, on accuse facilement ces personnes parfois, à tort et à travers, des personnes qui sont dans notre entourage, hein, ou même des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on a l'impression qu'elles n'ont pas d'âme. Alors, justement, cette notion d'âme, c'est un peu clivant. Toi, tu dis effectivement que tout le monde a une âme, mais par contre, il y a une différence, quoi. Voilà, il y a des différences, c'est-à-dire tout le monde a une âme. On peut pas dire, ah, un tel a pas d'âme parce qu'il nous déplaît, parce qu'il réagit mal ou parce qu'il réagit pas du tout, et se dire, oh, bah, c'est sûrement un portail organique. C'est facile, quoi, de mettre ou la faute du problème sur quelqu'un d'autre, ou même sur un gouvernement. On peut dire, ah, nos gouvernants sont sûrement ou des hybrides, et un portail organique peut-être. Peu importe, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas d'âme, ça veut dire qu'ils ont fait des choix qui ne sont pas les nôtres, et en même temps qu'ils sont endormis, une partie d'eux est endormie ou anesthésiée ou lobotomisée, parce que, voilà, il faut savoir aussi qu'il y a des pratiques qui font qu'il y a des êtres qui sont hybrides. Il y a des êtres aussi qui... Alors, quand on parle de ces êtres sans âme, c'est là, à ce moment-là, peut-être, il y a des êtres, effectivement, qui sont comme des robots. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'âme, parce que ce qu'on est en train de faire, et depuis quelques années d'ailleurs, c'est qu'il y a des êtres, pas des âmes, mais une partie de l'âme qui est greffée sur des mécaniques, et qui font des espèces de robots, mais humains, moitié robots. Et ces êtres-là, forcément, ben, ne peuvent pas agir même comme ils le souhaiteraient d'ailleurs, parce qu'ils sont complètement manipulés. Donc, il y a ça aussi. Alors, c'est important de se dire, mais ce n'est pas parce qu'un être est de telle ou telle façon qu'on va immédiatement dire, c'est un portail organique ou c'est un être qui n'a pas d'âme. C'est ça, en fait. Exactement. Il faut un petit peu nuancer les choses et effectivement, la conscience, tout le monde ne peut, enfin visiblement, apparemment, tout le monde ne peut pas la voir, ou en tout cas n'a peut-être pas Non. eu les bonnes clés pour. Et puis, on ne s'ouvre pas au même moment. On a chacun eu des vies tellement différentes que quelquefois, on passe des vies. Ce qui est important en ce moment, c'est vraiment de ne pas juger. Je trouve que c'est vraiment la première, ce qui m'a été dit il n'y a pas très longtemps, justement. Vraiment, arrêtez de juger parce que vous ne savez pas qui, même dans ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas pourquoi un tel fait comme ça. Est-ce qu'il est missionné pour faire tomber quelque chose? Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, mais quand le pape Jean XXIII a décidé de faire tourner les autels en sens inverse, il savait très bien que ça n'était pas le bon choix, que ça allait faire s'écrouler le catholicisme dans ses bases, je veux dire, antiques, mais pas réelles, quoi, mais pas véritables. C'est-à-dire, c'est pas c'est pas l'être en tant que Christos qui est mis en cause, mais c'est vraiment ce qui en a été fait par les humains, par les hommes et par des hommes de pouvoir. Et à ce moment-là, il a commencé à faire que petit à petit, ça perd de sa force, quoi. Mais on peut pas savoir. C'est pour ça que je dis, on peut pas savoir pourquoi un être agit de telle façon et les conséquences que ça peut avoir. C'est ça. D'ailleurs, tu dis Donc, dans le livre, tu dis quelque chose de très marquant. Moi, j'ai trouvé ça très très bien comme phrase. En fait, le monde restera incohérent tant que nous serons incohérents aussi. c'est ça. C'est-à-dire, le monde correspond à ce que nous sommes. Donc, si nous grandissons, si nous faisons une révolution intérieure, si nous commençons à capter différemment le monde, mais le monde sera différent, c'est ça. Et c'est vraiment une des clés. C'est pour ça.
C'est important, ça paraît tout bête, ça paraît tout simple. Bon, justement, les clés les plus importantes sont les plus simples. Exactement, absolument. C'est là-dessus qu'il faut se pencher parce que c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut faire certains gestes, avoir certaines pensées, faire attention, mais les gens ne le font pas parce que c'est trop simple. Ils disent, ben non, ça va pas. Alors que s'ils savaient, moi qui par exemple voyage sur des plans subtils, s'ils savaient l'importance que ça a, les ondes que ça émet, les formes pensées que ça crée, ou les personnages, ou les mondes que ça crée, je dis, ils pourraient pas, ils en reviendraient pas, quoi. Alors, c'est vrai qu'on a fait un sujet d'ailleurs récemment avec Fabio sur l'ingénierie sociale. Je crois que tu connais un tout petit peu. Alors, c'est pas dans le bouquin, je suis tout à fait d'accord, mais voilà, c'est globalement, c'est ça. Hein, c'est comment mouler en fait toute une population ou tous des peuples qui ont déjà perdu quelque part leur essence divine. Alors, quand je dis perdu, qui l'ont mis de côté, en tout cas, elle est endormie. Et je pense que l'ingénierie sociale, c'est vraiment ça, c'est vraiment comment moduler un peuple à sa façon. C'est ce qu'ils ont réussi pendant des siècles à le Et faire. Et maintenant, l'enfance, oui. je pense qu'il est temps de se dire, c'est fini, quoi. Papa et maman, merci, j'ai plus besoin de vous. On va Oui, essayer de se débrouiller un c'est peu ça. seul Et les nouveaux qui arrivent, ils ont déjà ça en eux. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à supporter les structures telles qu'elles sont. Parce que dès qu'on met un enfant à l'école, en fait, il ressort formaté. Je ne dis pas que ce soit la faute ni des instituteurs ni des professeurs, mais ce qui a été créé autour, ce qu'on leur demande de faire, c'est vraiment arrêter leur créativité, quoi. Et se mouler dans des mensonges qui sont continuels. On n'apprend pas une seule chose réelle, en fait. On nous a menti tout le temps. Oui, enfin, en tout cas dans nos civilisations. Il y avait déjà des questionnements quand j'étais petit, et c'est vrai que j'avais beaucoup du mal avec l'école, et je pense que ça m'a sauvé. Je pense que quelque part, cet échappatoire, même si ça m'a pas aidé au niveau scolaire, ça a été vraiment pénible. Mais pour ne pas parler de moi complètement, voilà, ça m'a, je crois, permis C'était ça. de m'ouvrir enfin, de continuer en fait finalement cet éveil. Mais là, ça se confirme de plus en plus. Et attention, on rassure tout le monde, ça arrive aussi à des gens qui ont été très très scolaires, qui ont été scolarisés de manière voilà très très carrée, formatée, etc. Ça arrive aussi à ces gens-là. L'éveil, il est partout, hein, il est Ah partout. oui, puis tout d'un coup, ils s'aperçoivent que, ma foi, ils n'ont plus envie de faire certaines choses, ils ont envie de vivre leur vie, quoi. Et ils peuvent quelquefois tout lâcher ou faire des choses extraordinaires, passionnantes. Enfin bon, ça n'a Mais rien à voir. c'est plus difficile pour eux, je pense, que pour ces personnes-là qui ont Ouais. construit toute leur vie sur quelque chose, tu sais, des acquis, des piliers bien solides. Je pense que ceux-là, voilà, c'est le château de cartes qui s'écroule, c'est Ouais. plus terrible en fait. Hein. C'est comme avec l'économie, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent qui, lors d'un krach boursier, vont subir le plus, et ceux qui ont finalement le moins d'argent, ou qui n'ont jamais Ça eu, ne changera pas trop. ça ne changera pas trop. Voilà. Non, Gardons ça en tête. Bon, alors du aura coup, au moins un oui, avantage. exactement. Alors effectivement, donc toujours dans cette thématique entité portail organique, et ici, on le sait, donc toi tu parles énormément des galactiques, des êtres galactiques qui sont là, qui sont quelque part dans une dimension, qui attendent que l'humain effectivement se bouge le popotin, pour être poli, pour se lever, s'éveiller vers quelque chose de mieux. C'est ce qu'on disait, hein, mettre tout ça de côté. Et beaucoup de gens se posent des questions. Oui, mais quand est-ce qu'ils vont arriver, ces êtres galactiques, pour nous sauver, etc. Alors on le sait très Alors, bien. Oui, oui, c'est et c'est ça qui est drôle, c'est que déjà, d'une part, il y en a des milliers qui sont là déjà sur Terre. Donc, ils sont là. Et déjà, ils font beaucoup, ils travaillent, enfin, ils travaillent, ils agissent en tout cas beaucoup, parce qu'il y en a, par exemple, si Fukushima, si Tchernobyl n'ont pas eu des conséquences plus graves, c'est parce qu'en fait, ils ont aidé à ça, à ce qui est les moindres conséquences. Il y a des missiles qui, quelquefois, ont été désactivés, mais ils ont toujours dit, et dans mon avant-dernier livre sur les révélations galactiques, ils ont toujours dit qu'ils ne feraient jamais le travail à notre place, qu'il fallait pas les prendre pour des sauveurs, qu'il fallait pas les prendre pour des dieux, qu'il fallait arrêter cette histoire-là, et qu'ils pouvaient nous aider, mais qu'il fallait que nous, on s'aide nous-mêmes, et qu'à ce moment-là, ils peuvent intervenir beaucoup plus facilement.
Et c'est ça qui est important, c'est qu'on croit toujours, on veut toujours que quelqu'un de l'extérieur, on veut toujours remettre notre pouvoir à l'extérieur. Et là, c'est vraiment important de retrouver notre pouvoir à l'intérieur. On est beaucoup plus que tous les, je sais plus comment on appelle ça là, les ces espèces de robots qu'on voudrait que nous soyons, en fait. Ces hommes, ces humains Android, super Android ou super connectés et tout ça. Tout ça, on peut l'avoir par nous-mêmes. Donc, c'est pas la peine d'essayer de se mettre des puces ou autre chose pour pouvoir accéder à des domaines. On pourrait le faire à condition de se réveiller, de se dire, OK, j'ai le pouvoir en moi de communiquer avec les autres mondes, j'ai le pouvoir en moi toutes les nuits, chacun fait un voyage hors du corps. Après, ce qu'il en fait, ben, ça dépend de lui. Mais il n'est pas obligé de s'en souvenir. Mais au moins qu'il sache qu'il a cette capacité-là. Les gens pourraient communiquer même par télépathie. Les aborigènes d'Australie le faisaient, les Amérindiens le faisaient. Il y a des tas de peuples dits primitifs qui faisaient ça. Alors pourquoi est-ce qu'on a perdu ça? Ça veut dire qu'on l'a en nous et qu'on est capable de le gagner. Donc je me dis, on a tous ces pouvoirs. Alors pourquoi attendre que d'autres êtres viennent le faire à notre place qu'on est capable de faire? Et à ce moment-là, par contre, nous aider, ils l'ont fait. Ils ont fait déjà l'ambassade de Shambhala depuis 18 millions d'années, donc il y a quand même un moment. Ils sont venus à chaque époque, à chaque époque. Et maintenant, je peux dire qu'ils sont vraiment des milliers parce que chaque planète qui veut aider la planète Terre a envoyé des siens s'incarner sur Terre. C'est pas facile, ce sont des êtres courageux, c'est pas la peine de les chercher. Ils ressemblent à des humains normaux. Et quelquefois, ils ont oublié même. Donc, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça l'important. Mais l'important, ça veut dire qu'ils sont là. Donc, quand on me dit, mais pourquoi ils sont pas là? Pourquoi ils viennent pas nous aider? Est-ce qu'on a envie d'avoir quelqu'un qui va dire tout d'un coup, oh, ben, ok, j'arrive, il y a plus, tout se passe bien. Mais ça veut dire que, regardez, il y a eu des guerres. On dit, bon, on ne refera plus jamais ça. Et puis, quelques années après, on recommence. Donc, je veux dire, on est. C'est à nous vraiment de faire quelque chose, quoi. Et à ce moment-là, évidemment qu'on sera aidé, mais qu'on essaie au moins de communiquer. Alors, ce que j'ai aimé pendant le congrès, et j'ai dit, je vais le raconter aussi dans le Robin des Bois, c'est que moi, je ne faisais pas de photos de vaisseaux parce que je n'avais pas besoin, quoi. Et puis, les organisateurs ont parlé, Annick et Jean-Michel ont parlé de comment faire des photos. Prendre les coordonnées GPS et puis prendre son appareil, son téléphone, faire une photo. Puis je me suis dit, tiens, c'est sympa ça. Et pendant le congrès, à un moment donné, j'ai senti l'intuition de le faire. Je suis sortie, je prends une photo, je ne vois évidemment rien, je vois que le ciel. Et puis en grossissant, à un moment donné, je vois un vaisseau. Je trouve ça génial. Donc tout le monde peut le faire. Et ça rassure. Ça veut dire, non, nous ne sommes pas seuls. Oh non, c'est on est bien plus qu'on ne le pense, voilà. C'est ça. Donc, Sur plusieurs plans, sur plusieurs fréquences, bien entendu aussi. oui. Et la nuit, il y a des êtres qui sont contactés, il y a des humains qui sont contactés. Et puis, chaque humain a quand même une graine d'étoile en lui. Il a une semence d'étoile parce que, ben, il vient pas du hasard. Il vient pas de l'algue bleue ou du singe ou d'autre chose, quoi. C'est deux règnes différents, c'est tout. Mais donc, on l'a en nous, ça. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est vrai. Et bah, je crois que le peuple occidental, puisque tu parlais des Indiens, des Hopis, en Afrique aussi, le fameux peuple qui est Les Dogons? les Les Dogons, Dogons voilà, qui sont en relation avec Sirius, voilà, tous ces gens-là, en oui, fait, étaient contactés, oui. voilà, tous ces gens-là, en fait, ont gardé cette connexion, cette connaissance ancestrale. Et je crois que c'est ça que le peuple occidental est malade, parce que on a vraiment été déconnecté de tout ça, sauf des pays comme l'Islande, sauf des pays comme on le sait très Oui, bien l'Islande, ils qui... voient encore leurs gnomes, leurs êtres de la nature. Exactement, C'est exactement. ça. C'est des pays qui sont encore en paix. Exactement, qui sont encore connectés et qui ont encore Oui. cette connexion. Donc Mais nous, à un moment donné, le mental est devenu tellement, a pris tellement de place qu'il faut arriver à le remettre à sa place. Il faut que ce soit nous, c'est-à-dire notre âme, qui dirige le mental et pas l'inverse. Et on est dirigé par nos pensées, on est dirigé par le mental.
Et justement, là, je suis en train d'écrire et le contact que j'ai avec certains êtres d'un très beau niveau, ils me disent, vous vous êtes trompé de route. Enfin, les humains, en partie, se sont trompés de route parce que quand ils veulent créer quelque chose, ils vont faire appel à leur mental. Et ils disent, nous, on fait d'abord appel au cœur. C'est-à-dire, par amour pour l'humanité, pour notre planète, on va créer. Et à ce moment-là, le mental va être à notre service. Et dites-vous, vous allez d'abord, pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de pouvoir, vous allez faire partir le mental en premier pour créer votre création. Donc, elle va jamais aboutir aussi loin qu'elle le pourrait. C'est une clé, mais c'est tout bête. Mais en fait, c'est ça, quoi. Oui, c'est ça, c'est comme tu dis, pouvoir accepter de mettre en avant plus son ressenti, son sixième sens, appelons ça comme on veut, son cœur, même les petites boules dans l'estomac, hein, si vous avez une boule, déjà si ça apparaît, c'est qu'il y a un doute, c'est que c'est pas juste. Donc il faut absolument vous dire maintenant, j'écoute d'abord mon cœur, j'écoute d'abord mon ressenti, avant de mettre le mental en Et avant. après, on peut mettre le mental au service pour créer ça, mais c'est tout. Mais je dis, si on est créateur, si on est inventeur, mais on ne peut pas mettre le mental en premier. Et ils disent, nos vaisseaux, c'est pas de la matière, c'est de l'amour et c'est notre esprit qui est dedans aussi. Donc, c'est très différent. C'est pour ça, ils disaient, là, vous vous trompez de route, quoi. Vous avez fait ça longtemps. Et d'ailleurs, j'écoutais justement sur Tesla, que j'ai pu rencontrer donc à un moment donné, parce qu'il fait toujours partie des chercheurs, des inventeurs, mais d'autres planètes. Et lui, c'est parce qu'il voulait offrir au monde l'électricité, l'énergie, en tout cas, il voulait l'offrir au monde gratuitement. Et ça, il s'est fait avoir. Donc, il a été capable de le concrétiser. Parce qu'il a fait passer l'amour d'abord, il l'a concrétisé physiquement, mais il s'est fait détruire parce que les autres n'ont pas compris, quoi. Alors, ont compris en tout cas qu'ils voulaient pas perdre leur argent, en tout Oui, cas. parce qu'il y a même une interview de lui, journal bien entendu papier de l'époque, où il affirmait apparemment avoir justement des connexions durant la nuit avec des êtres Ouais. interdimensionnels, dont justement beaucoup beaucoup de d'idées, en tout cas d'inventions, étaient justement guidées par ces êtres. Enfin, apparemment, c'est quelque chose qui n'est pas connu de Tesla, mais j'avais un jour lu cette interview Ah ouais, et c'est papier. chouette. Et c'est émouvant de savoir qu'il retravaille encore dans Oui. les souterrains de la Terre pour aider la planète Terre qu'il a quand même, enfin les Terriens, qu'ils l'ont quand même assez malmené. Voilà. Comme quoi on continue ce qu'on a commencé de mieux ici sur Terre Oui, on continue ce pourquoi en effet, quoi. C'est ce qui est dans notre nature. Alors malheureusement, ça n'arrive pas à tout le monde puisque là, c'est la thématique des réincarnations. Et tu as écrit d'ailleurs un livre il y a des années sur donc la rupture de contrat. Et donc là, c'est plutôt quelque chose d'un peu plus morbide, mais bon, ça existe. Surtout qu'il y en a beaucoup maintenant depuis 4 ans. Beaucoup, beaucoup de déceptions, ce sont les suicidés. Dans le livre, tu écris que les personnes qui se suicident se réincarnent plus rapidement que les autres pour peut-être aussi continuer une autre vie. Qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus, Anne? Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été triste. Ouais. Sur le coup, je me suis dit, ah, parce que bon, c'est toujours l'être qui m'accompagne, qui me dit, moi, est-ce que tu es d'accord pour écouter ces personnes-là? Bon, c'est vrai que j'avais un petit peu d'appréhension quand même. Je me suis dit, bah, c'est quand même pas un sujet très, très drôle. En fait, ça a été très beau. J'ai aimé ça parce que ces êtres-là m'ont expliqué. Alors, je sais pas, je vais citer un cas, par exemple. Bon, quand je parle de John Smith, il m'a touché. Enfin, chaque cas m'a touché parce qu'ils étaient tous différents. Mais lui, c'est un gamin des rues et à un moment donné, l'armée lui dit, ah, tu veux une famille, viens avec nous, etc. Un Américain. Il s'engage dans une espèce de légion, quoi, et puis il est envoyé au Vietnam. Et au Vietnam, eh ben, ma foi, il dit, je défie qui que ce soit de résister au lavage de cerveau qu'on nous fait. Et il dit, j'ai violé, j'ai brûlé des maisons, des villages, j'ai tué des enfants, j'ai violé des femmes. Il dit, ça a été terrible. Mais et à un moment donné, bon, la guerre s'arrête, il se dit, je vais avoir une pension. Et effectivement, bon, il a de l'argent, un peu d'argent,
une petite maison et tout ça. Il se dit, je vais être enfin tranquille. Et là, pas du tout. Il commence à avoir des cauchemars terribles. C'est-à-dire, il sort dans la rue et dès qu'un enfant ou une femme ou un homme approche, tout d'un coup, le visage se transforme en visage de Vietnamien et commence à grimacer et à crier. Donc, c'est le cauchemar perpétuel pour lui. Et aucune médecine n'arrive à l'aider. Et j'ai demandé à un ami qui est psychiatre et il me dit oui, c'est des choses qui peuvent arriver effectivement. Et donc, au bout d'un moment, comme il s'en sortait plus et qu'il était toujours dans ce cauchemar permanent, il se donne un coup de fusil et il se tue. Bon. Et puis, en pensant que ça va mettre fin à son histoire, mais il s'aperçoit que ça ne met fin à rien du tout parce que ce cauchemar continue dans l'au-delà. C'est-à-dire, quand il est sur le plan subtil, eh ben encore les personnes sont autour de lui en train d'hurler, de grimacer, de crier. Et tout d'un coup, il a une idée. Lui qui a jamais prié, il se met à prier, pas pour lui, mais pour eux, pour toutes ces personnes qui l'a fait souffrir. Et il prie pour qu'elles soient en paix, il prie pour qu'elles soient mieux, qu'il se passe quelque chose pour elles. Et à ce moment-là, ça a été très fort parce que les personnes petit à petit ont disparu de son champ de vision. Et on se sont reculés. Enfin, je veux dire, c'est comme si elles partaient guéries ou en paix, enfin, en tout cas. Et c'était très fort, quoi. Et à ce moment-là, donc, il était toujours dans un entre-deux-mondes, quoi. Et à ce moment-là, les guides viennent, des vieux guides viennent le voir et puis lui disent, bon, ben, tu vas devoir t'incarner rapidement. Il se réincarne et finir ton histoire, donc. Parce qu'il faut finir le bout qu'on n'a pas fini. C'est comme une rupture de contrat, c'est-à-dire, bon, on n'a pas passé la classe, on va recommencer, on va redoubler, puis on va faire. Et là, il s'incarne et c'est un petit garçon qui dit à ses parents, moi, je veux être pompier. OK, il devient pompier, mais un jeune, tout jeune pompier. Et il sauve très vite des tas de vies, que ce soit animales, humaines, presque autant que celles qu'il a supprimées. Et à un moment donné, lui qui obéissait toujours aux ordres en tant que militaire, là, il est pompier, et à un moment donné, il se trouve au moment des tours de New York. Et au moment des tours de New York, son chef lui dit, non, n'y va pas, il va y avoir un problème, tu risques ta vie. Et il s'est dit, non, ça fait rien, j'y vais. Il y va, et il monte des marches, enfin, il voit une femme qui lui tourne le dos, qui veut se jeter par la fenêtre. Parce qu'elle ne sait pas comment faire pour échapper à l'incendie, enfin, ou à ce qui se passe. Et à ce moment-là, il l'a fait se retourner. Il la sauve. C'est une Vietnamienne. Et c'est le dernier visage qu'il voit. Et il meurt. Mais voilà. Et là, et après, donc, il avait réglé son histoire. Il avait fini son histoire. Et à ce moment-là, il a pu jouer un autre rôle, c'est-à-dire être un peu comme un ange pour les gens qui voulaient se suicider, leur murmurer des choses à l'oreille ou les aider. Enfin bon, et sa vie a continué après sur les autres plans, mais il avait réglé son histoire. C'est incroyable. Et c'est beau en C'est même très temps. beau. C'est plein de belles histoires comme ça. Oui. Et en fait, j'ai aimé, quoi. Je redoutais, mais j'ai aimé ces gens-là, Mais enfin. oui, et je voudrais juste rajouter par rapport à ce que tu disais pour les êtres galactiques, etc., même s'ils sont réincarnés, etc., ben on sait, enfin, on connaît toutes ces histoires. Enfin, on peut trouver des histoires comme ça qui ne sont pas des histoires, hein, qui sont. Des faits réels, ce sont des. Tu sais, c'est ce qu'on dit, ces anges terrestres, on les appelle comme ça. Ces personnes qui C'est viennent à un ça. moment donné, vraiment précis, sauver une personne, et tout d'un coup, qui disparaissent, qui disent même pas au revoir, qui sont juste là pour agir. Mais il y a eu une famille comme ça, je me rappelle, c'était au Journal Paris il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas 10 ans. Je crois que je faisais déjà les Sentiers du Réel et ça m'a troublé. J'ai pas retrouvé l'information malheureusement. J'ai vu ça à la télévision et ils annonçaient que donc ils interviewaient en fait le papa et ils étaient quatre, donc une famille de quatre, sa femme et ses deux enfants. La voiture s'est retournée, elle a fait un roulé-boulé quoi sur le côté sur une côte assez pentue. La voiture était complètement cabossée, retournée, etc. Et visiblement il y a quatre personnes, pas une de plus, pas une de moins, quatre
enfin, quatre individus qui sont venus vraiment les enlever plutôt, je devrais utiliser comme mot, de la voiture, et pour les mettre sur le côté, et pour que, voilà, pour que ils reçoivent. Ça Et m'étonne ces pas. personnes, Ouais. il a dit, Ouais. je me rappellerai toujours, il dit, je ne sais pas qui c'est, je voudrais les remercier. Ils sont partis presque en courant, comme s'ils ne voulaient pas se montrer. C'est beau. Ouais. C'est ça, il y en a des êtres comme ça, hein, qui sont là pour hop, donner juste un coup de pouce parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas notre heure, c'est pas. Et donc, ils vont On est faire ce tous qu'il là pour faut. quelque chose, malheureusement, on ne peut pas. C'est pour ça que je trouve qu'on n'a pas à s'inquiéter pour le futur, on n'a pas à s'inquiéter. Quand ce n'est pas l'heure, je veux dire, ben, à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui se passe, sauf si on le fait exprès. Mais il y a toujours quelque chose qui va nous aider à. C'est ce qu'on appelle la destinée ou ce qu'on appelle le hasard, entre guillemets, ou ce qu'on veut, quoi. Alors justement, puisqu'on est toujours dans la réincarnation, une question que je trouve primordiale, c'est au niveau des animaux. C'est vrai qu'il y a une dame ou quelqu'un, en tout cas, qui pose la question, pourquoi est-ce que les animaux, en tout cas, de batterie, etc., les vaches, les poules et compagnie, se réincarnent en sachant, tout en sachant, enfin, l'âme en sachant qu'il va ressouffrir, qu'il va retourner dans ce même. Et donc, toi, tu fais une analogie avec l'humain, justement, par rapport à ça. Ah, voilà le petit chat. Et mon chat arrive au moment où tu parles des Il a animaux. entendu ce que je voulais dire. Il le Ah sait. ouais. Mais c'est vrai que alors les animaux, ils ont aussi leur cycle, leur guide, leur déva qui s'occupe d'eux. Et ils passent par des phases. Il y a des animaux qui vivent en groupe. Par exemple, s'il y a un troupeau, ben, il peut très bien être un troupeau. Mais nous, il y a 2 ans de ça. Il y a des animaux qui sortent du troupeau et qui s'individualisent beaucoup plus. Alors, il y a des karmas de groupe, comme pour les humains, il y a des karmas d'individus, il y a des histoires karmiques qui se passent. Mais en fait, eux, quand ils reviennent quelquefois parce que c'est une histoire de groupe, c'est une histoire de. Je disais, pendant le Covid, donc on se promenait, puisque j'ai un chien. Ça me permet de me balader. Donc, on se promenait et puis on est passé avec une amie à côté d'un enclos où il y avait des béliers, des moutons, enfin, de gens qui prennent soin des animaux, quoi, perdus ou tout ça. Et il y en a un qui nous a suivis. Il a sauté les clôtures, il voulait absolument pas rester dans le troupeau. Alors bon, il nous a accompagnés un bout, puis on s'est dit, on va le ramener quand même. On l'a ramené dans l'enclos, il a ressauté, il nous a resuivis. On a dit bon, ok. Et à un moment donné, l'ami a téléphoné aux personnes qui s'occupaient de ça. Puis il a dit, mais il ne veut pas rester avec les troupeaux, il veut être que avec les humains. Alors on a dit, on va essayer de le garder. Alors moi, j'ai voulu le garder avec Antoine. On a dit, on va le garder, mais il voulait habiter dans la maison, pas à l'extérieur. Donc, il cassait son enclos pour pouvoir venir coucher près de nous. Et puis après, comme il grignotait, bon, les fleurs, j'ai vu avec mon ami, et mon ami l'a pris avec son mari. Et c'est un bélier qui nous suit comme un chien, qui vient mais qui veut pas être avec les autres animaux. Il veut bien être avec les chiens, les chats, mais pas, il veut pas être en troupeau. Donc, c'est ça, c'est marrant quand même, hein. Et c'est sympa comme tout. Alors, les gens qui nous voient passer avec, on laisse et tout. Mais lui, il est content. Un bélier, magnifique. Mais oui, c'est drôle, hein, quand même. On s'attendait pas à Surtout que ça, mais comme surtout que quoi. c'est pas. Enfin, je pense. Enfin, alors oui, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est en tout cas comme ça. Un bélier, c'est pas très. Enfin, je sais pas si c'est très sociabilisable. Je sais pas si ça se dit. Ben oui, au départ, on ne pense pas, hein, c'est. Alors c'est vrai que il est gros, il donne des coups de tête pour s'amuser, c'est un peu spécial. Mais enfin bon, si on le comprend, ça va. Et là, quoi, donc là, il est quand même dans son petit enclos à l'extérieur où il vit vraiment. Alors il a un enclos à l'extérieur, mais collé à la maison des amis. Et Ouais. ça va, le chat, il accepte, c'est bon, oui. Ah, le chat, les Le chiens. chien, Ah ben magnifique. le mien, du coup, bah, il l'a plus vu. Mais ma chienne, oui, elle a d'abord aboyé beaucoup, puis après maintenant, elle l'aime bien. En fait, ils savent, ça c'est connu, ils savent qu'ils font partie du même foyer. Et à ce moment-là, il n'y C'est a ça. plus, y a plus de Il cette n'y a plus, division. Il n'y a plus, voilà, non. exactement. Ils Alors, ils ont savent. des chats, des chiens, il n'y a pas de problème.
Incroyable, c'est une très très belle histoire, Anne. Vraiment, C'est j'adore. Merci. sympa, Ah oui, j'adore. Ça c'est vraiment chouette. Et puisque tu as ton chat sur toi, enfin un de tes animaux sur toi, justement, il y a une question qui me taraude. C'est parce que tu en parles aussi dans le bouquin, c'est que bon, les réincarnations des animaux, voilà, ça peut être variable, etc. Mais il se peut aussi que donc un animal qui décède peut se réincarner dans un autre animal et venir retourner. Chez les mêmes patrons, chez les mêmes humains, je dirais plutôt, hein, chez leurs humains. Accompagnateur, oui, voilà, c'est Ouais. ça. Et alors, oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, un chat est beaucoup sur le plan astral. Donc, pour lui, il est toujours entre deux mondes. Et donc, ce n'est pas un problème pour lui de mourir s'il meurt de mort naturelle. C'est un problème s'il est torturé, battu, tout ça. Ça, c'est autre chose. Mais un animal peut aussi. J'ai vu des animaux qui prenaient la maladie de leur maître par amour global, quoi. Par exemple, ils peuvent prendre une maladie pour soulager le. Enfin, quand je dis le maître, c'est plus vraiment le mot. Je dirais l'humain avec le son, parce que maître, ça fait un peu maître à esclave là. Et donc ils font ça et ils sont et sous. Et ils peuvent aussi attendre, par exemple, que s'ils meurent avant l'humain, ils peuvent attendre que l'humain meurt, ils peuvent attendre jusqu'à sa mort pour le rencontrer. Ils vont le rencontrer de toute façon. Il y a des plans intermédiaires où ils vont se rencontrer sans problème. Les humains, leurs animaux, ceux qu'ils ont aimés. Et ils peuvent aussi revenir. En général, il y a une quarantaine de jours aussi. Alors, où ils reviennent, où ils vont guider un autre animal vers leur ancien, leur humain pour le consoler, ou pour qu'il soit mieux, quoi. Donc, oui, il y a plein d'histoires avec les animaux, c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est vraiment comme dans le film avec Robin Williams, justement, que tu cites, hein, je n'ai plus le Oui. titre, mais bon. Mais voilà, ouais, donc c'était. Bah écoute, merci Anne pour ça. Et alors, on est toujours là dans le monde de la mort, etc. Tu parles aussi des NDE négatives. Je sais qu'il y a des gens qui, effectivement, rapportent souvent que une NDE, bah, c'est formidable parce qu'effectivement, on y rencontre eh bien, un tas de, finalement, d'entités, d'êtres, voilà, magnifiques, etc. Des grandes villes, des grandes cités, etc. Et il y a aussi, comme on le sait, des personnes qui rapportent des NDE négatives. Je sais que tu en as parlé un tout petit Un peu. peu comme quand des personnes prennent des drogues et font des Oui. mauvais voyages, ce qu'on appelle le mauvais voyage, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans des zones de leurs émotions ou dans des zones du bas astral qui peuvent être terrifiantes, qui peuvent être extrêmement désagréables, qui peuvent leur montrer des images choquantes de leur vie aussi. Donc ça dépend dans quel état la personne va vivre déjà cette expérience. Dans quel état elle est au moment de cette expérience. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'elle est touchée de cette façon-là? Pourquoi est-ce qu'elle va passer dans ces zones obscures qui font partie aussi des mondes de l'après-vie, mais où normalement elle ne va pas rester de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai entendu rarement, mais j'ai déjà entendu des personnes qui disaient, ah, pour moi, ça s'est très mal passé, j'ai vu des choses qui étaient moches et tout. Ça dépend de l'état d'être intérieur de la personne, de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Si elle n'est pas paisible, ou si ça, même si ça se passe spontanément, mais si elle était en colère contre quelqu'un, ou si il est possible qu'elle traverse cette zone-là et qu'elle voit un peu tout ce qui se passe en elle ou autour d'elle, quand elle aimait ça, ou tous ces mondes, justement, ces mondes de formes pensées, où il y a des membres coupés, où il y a des visages grimaçants, où il y a des choses qui font peur. Ils font peur. Moi, ça m'est déjà arrivé comme expérience au moment où j'expérimentais les sorties hors du corps et les différents mondes. Et c'est à un moment donné, c'est vraiment en pensant à la lumière que quelque chose a pu me sortir de là. Mais sinon, j'avais l'impression d'être engluée, puis que cette tête ou ces visages allaient me toucher ou allaient. C'est impressionnant. Et quelquefois, ça peut même toucher jusqu'au corps physique quand on est trop dans le plan du bas astral. Ça ne va pas tuer quelqu'un. Mais je veux dire, j'ai déjà vu par exemple un ami qui est arrivé un matin, on était au resto universitaire, puis il arrive courbé en deux. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il me dit, cette nuit, c'est comme si j'avais combattu. C'était un gars qui faisait des arts martiaux. Et il me dit, j'ai combattu et puis je me suis fait faire un.
à Rakiri, là. Moi, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Enfin, il a eu un coup d'épée, de sabre plutôt, parce que c'était un art japonais, et ça lui restait toute la journée, hein, quand même. Il était courbé en deux comme s'il y avait encore ça, quoi. Donc, c'est pour ça, ces mondes-là, il y a tout, Oui, quoi. mais ça me rappelle aussi un petit peu le film L'Expérience interdite où justement il C'est joue avec ça. ça, Ah avec oui, la mort. il est excellent ce Excellent film, parce je que je trouve trouve. qu'il est. Ah Bah, ouais. d'ailleurs, moi, c'est un de mes films de chevet, entre guillemets. C'est en tout cas un film qui est très très bien documenté, qui est enfin documenté, alors qui émane en tout cas beaucoup de choses qui sont réelles, en tout cas. Voilà, c'est ça qui existe. Oui, c'est-à-dire on va revoir des épisodes où on a laissé des nœuds et après on peut ou pas les guérir. Si la personne est morte ou si la personne n'est pas morte, enfin, c'est ça et c'est ce qu'ils ont fait en fait. Hein, Parce que, oui, parce qu'en plus, les Kidam qui font cette expérience dans le film, hein, avec Kiefer Sutherland, hein, parce que je crois qu'après, il y a une autre version. Je crois qu'ils ont refait un remake après. Enfin, bref, moi, je parle vraiment de celui du qui est sorti premier, dans les ouais. années 90, là, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, c'est un petit peu comme le pompier, comme tu expliquais, le type qui a fait du mal autour de lui. Et effectivement, dans le film, justement, voilà, il Il a s'excuse auprès réparé des là dans le victimes. film, hein, ouais. Voilà, et ces cauchemars disparaissent. Enfin bon, je C'est conseille vraiment ça. on conseille vraiment ce film. C'est vraiment très très bien, très très bien fait. Concernant la crémation, alors ça, je voulais le placer parce que c'est vrai que c'est quelque chose que moi qui, bah oui, je me pose beaucoup de questions avec la crémation. J'ai entendu dire des choses, voilà, comme quoi l'âme peut brûler. Alors, enfin, quand on dit peut brûler, peut. Qu'est-ce que toi tu penses? Enfin, qu'est-ce que Alors vous. moi, j'ai assisté à des crémations dans des pays où c'était la coutume, Oui, en et Inde, puis des etc. Voilà. crémations dans des pays comme le nôtre, quoi. Et puis à des enterrements aussi. Ça pose problème si la personne est très attachée à son corps physique. Donc, dans des pays où c'est la coutume, en général, les personnes savent qu'il y a une âme et le corps physique. Dans les pays où on a l'impression d'être notre corps physique, comme en Occident, ça peut être plus problématique parce qu'on a l'impression qu'on va souffrir, ou même si on ne souffre pas, mais on ne perd pas son âme, il n'en est pas question. Si ce n'est que je trouve que c'est fait un peu rapidement, les crémations en Europe, ça a pas le même, il n'y a pas de rituel, enfin, ce n'est pas un rituel, mais au moins de Il y a une chose qui est peut-être. restée, c'est qu'ils attendent 3 jours, Ouais. visiblement. Ah, quand même, oui, donc ça c'est bien, ça c'est important. Et après, ben c'est vrai que ça va dépendre de l'atmosphère qu'il y a autour de la personne. Mais c'est pas, je veux dire, les phénomènes qui doivent se passer vont se passer. On va pas perdre son âme parce qu'on fait une crémation au lieu d'un enterrement, quoi. Mais après, bon, il y en a pour qui c'est égal, il y en a pour qui c'est important. Par contre, il y a des personnes qui vont être attachées à ou une crémation ou à un enterrement. Et qui risquent de rester sur Terre et de hanter d'autres personnes parce qu'elles n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient. Ça peut arriver aussi. Et c'est pour ça qu'il est important de. Je pense qu'il est important de. Ben, il y a des grands spiritualistes, je ne sais pas si ça se dit, c'est des grands maîtres de. Oui. Voilà, qui veulent en tout cas, qui ont étudié ça, etc. Qui fait que lorsqu'on va tout d'un coup arriver à l'hiver de notre vie, bah de s'alléger le plus possible au niveau des ressentiments peut-être négatifs dans notre vie, Ah du oui, mais matériel, s'alléger vraiment le maximum, s'alléger complètement, commencer à vraiment se débarrasser, oui, des choses qui nous encombrent, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient et peut-être même, pourquoi pas, régler peut-être certaines choses avant de partir. c'est indispensable. Je dirais même que maintenant, il faut vraiment faire ça. Parce que si on veut passer dans une autre dimension, on ne peut pas faire l'économie de garder des vieux contentieux, de garder donc qu'on soit même à la fin de notre parcours ou qu'on soit au milieu, ça n'a pas d'importance, il faut vraiment le faire maintenant. C'est ne serait-ce que parce qu'on est à un changement d'époque important et que ce changement d'époque, c'est comme une mort. Donc, ça demande vraiment de faire du lessivage de tout. Nos vieux contentieux, toutes nos vieilles rancœurs, de tout ce qu'on a envie de réparer, de tout ce qu'on a envie de faire autrement, c'est indispensable. Sinon, c'est la quatrième dimension, c'est l'espace-cœur.
Donc, c'est là où tout se résout. C'est comme un atteneur qui va permettre de faire cette alchimie, qui va faire qu'à un moment donné, on va dissoudre toutes nos vieilles histoires pour passer à autre chose, pour s'occuper d'autre chose, quoi. J'ai jamais vu, par exemple, des êtres d'autres planètes, des êtres bienveillants quand même, mais d'autres planètes qui étaient en train de encore discuter sur leurs problématiques personnelles. Ils sont passés vraiment à autre chose, quoi. Et c'est ça qui nous est demandé actuellement. Et surtout ne pas attendre justement d'attendre l'hiver de notre vie et de pouvoir le faire avant, tant qu'on est Ah encore en oui. forme, tant qu'on est encore jeune, enfin jeune façon de Oui, tant parler. que les gens sont là, tant que... Oui. 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 Et Ah ça oui. fait du bien. Et je crois que, en fait, si on vraiment on fait attention à ça, on pourra passer justement à cette autre chose qui nous est apparemment, qui va nous être imposée, je pense, d'ici quelques temps, ou peut-être demain, qui sait. Et je pense qu'on sera déjà beaucoup plus léger. On se dira, j'ai déjà pris un. Mais à chaque fois, je vois, parce que nous, on a une pratique dans un petit livre qu'on appelle le petit livre soi, qui est un petit livre de pratique, quoi. Et dedans, il y en a une qui s'appelle l'autre, qui est effectivement sur le au-delà du pardon. Et cette pratique-là, quand les personnes la font, ça dure 7 jours. À ce moment-là, ils se rendent compte. Alors, il y a des choses qui peuvent changer. On peut le faire même avec un ex qu'on ne revoit plus, avec des gens avec qui ça s'est mal passé. Et tout d'un coup, il y a comme un allègement. Les personnes se rajeunissent presque tellement elles s'allègent, quoi. Parce que sinon, ça pollue leur organisme. Et moi, je peux voir quelquefois dans l'aura des visages autour des personnes qui collent. Et ce ne sont pas ces êtres-là qui les collent, c'est la relation qu'elles ont avec ces êtres-là qui collent, qui est collante et qui les empoisonne, en fait. Et en tout cas, il n'y a pas de hasard. Je pense qu'on est parfois demandé à retrouver des personnes qui font partie de notre passé, et comme tu dis, avec qui ça ne s'est pas forcément bien passé, au détour d'une rue, au détour je ne sais pas, moi, sur Internet, peu importe. Et si les personnes se revoient et soit ça continue à se passer mal, ou alors carrément elles ne se parlent plus, ce qui est beaucoup mieux, et si elles sont amenées à se reparler et que le courant passe, parce que l'eau a coulé sous le pont, ma foi, ça c'est beau aussi comme expérience, parce que ça veut dire qu'on a fermé, je crois que c'est les Amérindiens qui parlent de ça, d'une boule, d'une sphère. Tu commences en fait un problème, tu dois le terminer. Et quand tu as terminé la boucle, on peut passer à autre chose, en fait. Non, mais c'est bon. Les peuples premiers ont toujours ont leur connaissance des étoiles, donc de toute façon, ils savent ce qu'il faut faire. Exactement. Et ça, c'est bon. Nous, on l'a perdu. Alors, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus heureux, plus positif, bien que tous ces sujets sont positifs, hein, malgré la forme qui sont là, ils sont positifs puisqu'on peut en parler, on a cette chance de pouvoir en parler, en discuter. Et donc là, ce sont nos amis les Esséniens. Et ça, c'est important aussi à dire. Donc Jésus et Marie-Madeleine en faisaient partie, hein, donc de ces Esséniens. Ce que j'ai bien aimé dans ce passage-là, dans ce paragraphe-là, c'est que tu dis que ça ne doit pas être un mouvement où on doit reproduire des anciennes coutumes qui nous appartiennent pas forcément, mais c'est disons, d'agir et de penser façon Esséniens, en tout cas. Et j'aime beaucoup cette remise en. Parce qu'il y a des personnes qui voudraient que le mouvement essénien perdure, mais d'une façon, surtout avec l'extérieur, c'est-à-dire on va s'habiller en robe blanche, on va porter on va vivre en communauté, on va faire ci, on va faire là. Comme ça se passait peut-être il y a 2000 ans, mais même il y a 2000 ans, ces êtres-là vivaient dans des villages parce que, voilà, c'était la coutume de l'époque. Mais là, c'est comme si on voulait se démarquer de notre époque et montrer que le mouvement essénien est encore là. Mais il est là. Tous les esséniens sont éparpillés à la surface de la Terre, un peu comme les apôtres à la fin qui sont partis dans tous les pays pour porter simplement l'enseignement christique, qui était un enseignement d'amour. Mais c'est tout. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va montrer qu'on a des pouvoirs, c'est pas parce qu'on va montrer qu'on est meilleur que les autres ou parce que on va faire partie d'un clan que ça va que qu'on va être un Essénien. Essénien, c'est vraiment une histoire dans l'âme, quoi.
Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on pense, comment on a envie de d'aider la planète, comment on a envie d'être en rapport avec les humains. Est-ce que, par exemple, quand ils disent, les Esséniens disaient un oui, c'est un oui, ils signaient jamais de contrat, un non, c'est un non. Parce que pour eux, c'était comme ça, c'était sûr. Ils disaient, on n'a pas besoin de signer, quoi. Alors à l'époque, ils n'avaient pas besoin, mais c'est pour dire qu'il y a des coutumes qu'on ne peut pas forcément reprendre, mais il y a l'esprit qu'on peut garder. Et cet esprit-là, personne ne peut l'enlever. Et on n'est pas obligé de faire partie d'un groupement pour avoir l'esprit essénien. Parce que je me souviens que quand on a écrit De mémoire d'Essénien, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu à ces époques-là, qui ont croisé le regard de Jésus et qui en ont été marquées pour toujours. Et donc, qu'elles aient été esséniennes ou pas, elles ont été en tout cas touchées par cette énergie-là. Et cette énergie-là, maintenant, il faut être capable de la redonner. Et c'est ça qui est demandé. C'est pas de se cloisonner dans un groupement et puis d'avoir des pratiques particulières. C'est ça? Et oui, parce que de toute façon, ce qui va se passer, ou ce qui se passe justement avec ces personnes, hein, voilà, c'est que il y a de nouveau le mental qui est mis plus en avant que l'agissement finalement. Ouais, il vaut mieux agir que de parler. Il vaut mieux, je crois, il vaut mieux faire des petites actions tous les jours, pas forcément, mais quand on peut, quand on peut le faire. Et je pense que des petits agissements comme ça, bah, comme avec cette histoire du bélier, c'est magnifique, quoi. C'est un agissement, voilà, ça, c'est un agissement. Bah, essénien, oui ou non, mais en tout cas humain, quoi, et quelque chose de. Humain, et puis voilà, c'est ça. Et c'est énorme, je veux dire, d'agir, parce que quand les gens me demandent, mais comment est-ce que je peux aider un tel? Ben, je dis, tu l'acceptes et tu l'aimes. Mais après, c'est les deux critères. C'est pas tu vas lui parler pour lui dire qu'il faut faire ci, il faut faire là, parce que ça sert à rien. Mais ce qu'on va être peut influencer la personne ou peut la toucher. Il faut qu'on soit nous-mêmes, quoi. Et quand on est nous-mêmes à ce moment-là, et si on est capable d'accepter la personne là où elle en est et de l'aimer comme elle est, à ce moment-là, il se passera quelque chose. Mais c'est pas parce qu'on aura des grands discours, c'est pas parce qu'on aura des enseignements particuliers que ça va être plus facile. D'ailleurs, Jésus savait que les enseignements qu'il donnait, enfin, tout ce qu'il disait, n'allait être compris que 2000 ans plus tard, c'est-à-dire maintenant. Donc, C'est vrai. il le savait, quoi. Non, c'est vrai. Je pense que il y a bah, clairement, comme on le disait au début de l'interview, il y a un tournant. Et je pense que la France, justement, c'est ça que je voulais un petit peu en discuter. La France en fait partie de ce tournant parce que bon, on parle toujours de liberté, égalité, fraternité. On sait très bien que c'est pas pour les peuples. On sait très bien que Ah oui, la c'est France. pour le grand club. Ça, c'est voilà, ça c'est une petite voilà. mais c'est surtout que le peuple français, étrangement. Il y a beaucoup de gens qui le disent, hein. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées parmi les conférenciers, intervenants, etc. Quand même pas mal de gens qui disent que la France, oui, effectivement, pour l'instant, en bave beaucoup. Au niveau énergétique, au niveau de la politique, ça, voilà, on le sait. Mais je veux dire, en même temps, c'est une souffrance pour une meilleure transition. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va émaner de là, quoi. Enfin, je sais pas. Disons qu'elle est gardée comme sous une chape de plomb parce que il y a des entités qui savent qu'elle a un rôle important et qui n'ont pas forcément envie que ce rôle puisse émerger. Et alors chaque pays a un rôle différent, mais la France, si elle arrive à sortir du cloisonnement dans lequel elle est et du bazar dans lequel elle est actuellement, parce qu'on a l'impression que c'est le pire des pays. À ce moment-là, il va émerger quelque chose de très beau parce que elle peut entraîner derrière elle toute l'Europe. Et ça, c'est énorme aussi. Et d'ailleurs, il y a comment ça s'appelle, une éclipse qui va avoir lieu le 8 avril. C'est juste dans une semaine, puisque. Ouais, c'est ça. Le 8 avril qui va passer, qui va partir de la Réunion, de l'île de la Réunion, qui va traverser toute la France. Qui va passer par la Dordogne d'ailleurs. Ça, c'est pas mal. Hein? Et elle va traverser toute la France, elle va arriver peut-être en Belgique aussi, enfin, etc. Et elle va aller jusqu'en Islande. C'est ça. Ah tiens, ok. Oui, et c'est une onde bénéfique. Donc, il va falloir voir comment on va la capter. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Ouais.
Faudra. Mais c'est intéressant. Ouais, faut pas avoir peur parce que vrai, je crois que ça peut faire paniquer plus d'une personne. Hein. Les éclipses, on le sait très bien qu'elles ont. Alors, chez les Ah ben ça fait bouger. voilà, chez les anciens, elles Oui. avaient, ça annonçait quand même quelque chose de d'un peu dark, d'un peu noir, d'un peu voilà. Mais je pense qu'il faut être prêt pour accueillir ça avec. Oui, parce que si c'est sombre, je veux dire, ça veut dire quoi? Que le monde s'écroule, de toute façon, il s'écroule. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Mais ça peut être pire. Bon, il peut s'écrouler encore plus. Mais il faut, de toute façon, on ne peut pas bâtir sur du mort. Donc, on ne peut pas bâtir sur quelque chose qui est en train de complètement dépérir. Donc, c'est Tu as dit quelque normal. chose de vraiment très 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 juste dans ce livre, hein, clé de vie pour une métamorphose, c'est que tu disais que les gens ont parlé d'incohérence, effectivement, du monde, l'incohérence de ce qu'on a finalement dans la tête. C'est encore une fois, qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut garder ce monde tel qu'il est, on veut le garder tel qu'il a été pendant en tout cas plus d'un siècle, en tout cas, voilà, avec la modernité industrielle, etc. Ou est-ce qu'on veut justement que ça craque pour recommencer autre chose? Alors peut-être que ça se fera peut-être pas par le gouvernement, mais en tout cas, ça se fera par les peuples. Et je pense que voilà, Oui. donc il faut vraiment se poser cette question. Ou bien vous voulez garder tout ce qui vous va dans cette zone de confort, et là je dirais d'inconfort, comme beaucoup disent de plus en plus, parce que cette zone de confort, non, elle n'est pas confortable, elle est inconfortable, seulement c'est l'illusion qui vous fait croire que vous êtes confortable. Et je pense que vraiment, voilà, encore une fois, ça dépend. Il y en a qui vont dire, bah, moi j'ai envie de garder mon yacht, de pouvoir draguer toutes les femmes du monde, de pouvoir, je sais pas, j'invente, hein, voilà, c'est très cliché, mais c'est tellement vrai. Ou d'aller avec un riche homme dans son manoir. Je sais pas. Oui, c'est pas ça. Il y a peut-être des choses agréables, mais On peut tout imaginer, mais on s'imagine pas comment ça va être après, comment ça va être tellement mieux après. Et c'est ça, on a peur de lâcher le connu pour l'inconnu. Et c'est toujours la peur qui fait que, en fait, on se raccroche à de vieilles structures, à des choses obsolètes. Ça fait des années que j'entends des personnes autour de nous ou ailleurs ou partout dire, mais il faut que ça cesse. On en a marre d'un monde d'esclaves. On en a marre d'être nous-mêmes les esclaves parce que on travaille pour qui, pourquoi. Enfin, si c'est pour avoir un peu plus de matière en plus, quoi, c'est tout. Alors, les gens en ont assez, mais quand on les met face au fait que, ben oui, ben on en a assez, donc on arrête de nourrir ce monde-là. Là, c'est quoi? Ça commence à être plus compliqué parce que ça nous implique directement. Et on ne s'attendait pas à être impliqué directement, ça, là, tout d'un coup, en se disant, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on arrête de consommer des trucs où ils font des choses illicites, où ils empoisonnent tout le monde, où... Est-ce qu'on soutient ce qui, justement, va aller dans le sens de la vie? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut le faire à son niveau, on peut faire des petites choses, on peut faire sourire les gens, peu importe, mais c'est très important. très important. Ça. Et puis qu'on arrête de vouloir recoller des morceaux d'un vieux monde, parce que, je veux dire, à un moment donné, je me souviens que je crois que c'est dans Voyage à Shambhala, où, donc il y a quand même quelques années, où justement les êtres disaient à un moment donné, mais l'Europe et l'Amérique ne seront à un moment donné, n'auront plus le pouvoir qu'ils ont maintenant. Et certains seront comme des nomades à la surface de la Terre. Ça m'a impressionnée, je me suis dit, mais par quel moyen? Mais maintenant, je comprends mieux ce qui peut se passer. Et ça ne veut pas dire que nomade, ça soit moche, mais ça veut dire qu'on perdra peut-être le pouvoir qu'on pense avoir maintenant. Et parler de l'Europe et des États-Unis, quoi. Je dirais une Donc, chose, c'est que le pouvoir établi n'a jamais appartenu au peuple. Par contre, il est voilà. temps de nous réapproprier de notre pouvoir à nous, individuel. Et je pense que c'est le plus beau des pouvoirs qu'on puisse gagner après une défaite. Après leur défaite, finalement, c'est pas notre guerre, encore une fois, ce n'est pas notre combat. Nous, on est juste au milieu des missiles, entre guillemets, quels que soient les missiles, hein, qui soient verbales, qui Oui, c'est soient ça. physique, etc. On a bien compris, c'est une image, mais on est là au milieu et on n'a pas à subir ça. On doit vraiment se faire, encore une fois, cette espèce de bulle sans, encore une fois aussi, se faire des œillères. Il faut vraiment, voilà, faire face à tout ça.
dans la joie, dans la bonne humeur, si possible, hein, y a moyen de le faire. Et puis, de toute façon, voilà, Mais c'est la fête du slip, comme je dis demain. De toute façon, si ça explose, ben, oui. faisons ça de la manière la plus rigolote. Même si ça peut paraître naïf ce que je dis, mais c'est vraiment ça, de ne plus avoir peur, en fait. Et Non, mais c'est on en ça. discutait justement dans l'interview avec les implants, les parasitages, et dans ce bouquin, justement, tu en parlais aussi, de ne plus avoir peur. On le sait très bien, je sais que c'est facile à dire, mais c'est tellement facile à faire. Croyez-moi, croyez-nous, pour le coup. Enfin, ne nous croyez pas, faites l'expérience, comme dirait. Voilà, Pratiquez, exactement. exercez-vous. J'ai corrigé quand même, mais bon. Donc voilà, c'est vraiment ça, ne plus avoir peur et vraiment. Et moins on aura peur, plus on sera aligné avec nous-mêmes, plus on sera aligné avec notre idée. C'est déjà une protection en soi. Et quand on est dans l'instant présent, on ne peut pas avoir peur. C'est ça qui est important. Il faut dire que, bon, ben là, par exemple, si on est bien ou si on souffre ou si on est dans cet instant-là, pour l'instant, on n'est pas en train de se demander, c'est notre mental, notre ego, qui se dit, mais qu'est-ce qui va se passer si il arrive, s'il y a telle décision, etc., etc. On peut prévenir, mais je veux dire, on ne va pas se mettre mal à cause de ça. C'est vraiment l'instant présent qui est important. D'ailleurs, dans tous les mondes, il n'y a qu'un éternel présent dans lequel sont toutes les situations. C'est-à-dire qu'en plus, on vit peut-être des expériences autres dont une partie de nous vit sur d'autres planètes ou dans d'autres mondes ou à d'autres époques, d'autres expériences. Et c'est bien comme ça, je veux dire, c'est juste. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Alors déjà, on n'est jamais au mauvais endroit, ni au mauvais moment, ni avec les mauvaises personnes. Alors une fois qu'on a cette certitude, à ce moment-là, on peut avancer et ça va aller. Et on reste pas bloqué justement dans ce qui nous bloque à ce moment-là, puisqu'on sait déjà que cette situation qui est bloquante va se libérer par la suite. Bien Et je sûr. voudrais aussi rajouter que le temps n'existe tellement pas qu'on est dans un monde perpétuel en présent, dans un perpétuel présent. C'est juste la folie la folie des journées qui raccourcissent pour certains, c'est vrai. Et c'est vrai, et je pense qu'il y a ce sentiment, en tout cas ce ressenti de journée qui s'accélère, de temps qui s'accélère. Une année, c'est la folie, je veux dire, je comprends pas, on est en 2024, on est déjà en avril, bon, bref. Voilà quoi, c'est. C'est vrai. Enfin, en tout cas, un grand merci, parce que je sais que tu es aussi occupé après cette interview. Donc, on rappelle le dernier livre de Anne Givaudan, Clé de vie pour une métamorphose. Et donc, ce sont des questions auxquelles Anne Givaudan a réuni dans ce bouquin. Donc, des vos questions, enfin, les questions en tout cas des auditeurs et Voilà. des lecteurs de Anne Givaudan, voilà, qui en tout cas regroupe, ben, je trouve, pas mal de thématiques. On en a vu un aperçu ici dans cette émission. Il y a encore beaucoup plus forcément à découvrir dans le bouquin. Vous voyez, c'est quand même une grosse brique. Donc il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi lire et vraiment des choses, encore une fois, plus intéressantes toutes que les autres. Donc voilà, un grand merci Anne pour ta Merci. participation pour cette émission. Merci à toi. Et on n'oubliera pas d'aller visiter ta chaîne qui atteint tout doucement les 100 000 abonnés. Je mettrai bien sûr les liens des deux chaînes parce qu'il y a deux chaînes en fait distinctes. Tout ça en lien en description. Le livre aussi également, bien entendu. Voilà, bah, je crois qu'on va se laisser ici. Anne, et c'est quand tu veux, en tout cas, comme tu le sais à chaque fois. Tu es très 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 Merci. bienvenue sur la chaîne. Je Oui. sais que les auditeurs t'apprécient beaucoup. Donc voilà. Donc j'espère que ça a plu en tout cas aux auditeurs. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Méditez un petit peu sur ce qu'on a dit. Rebobinez la cassette. Réécoutez peut-être l'émission. Et voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses à apprendre. Je mettrai aussi des liens sur les autres émissions qu'on a fait avec Anne, bien entendu, dans la description. Je vous retrouve la semaine prochaine. Donc portez-vous bien. Abonnez-vous. Faites aussi des dons. C'est très important sur la chaîne des Sentiers du Réel. Elle en a beaucoup besoin en ce moment avec YouTube. Donc je vous fais des gros, gros, gros bisous. Tous les liens sont en description. À tout bientôt. Au revoir, Anne. Au revoir, merci. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel. Lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine!